Écoutez, fils du Mandé. Écoutez, enfants du peuple noir. Je viens vous parler de Sundiata Keïta, le fils du Bif, le fils du Lion, Mandé Ndiata, Nari Makan Ndiata, Sogo Sogo Simbo Salaba, héros aux noms multiples et restaurateur de l'autorité légale. L'empire mandingue s'étendait du Sénégal à l'ouest en passant par la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Mali, la Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et jusqu'au Niger à l'est. Sundiata, né en 1200 à Niani, exilé en 1222 à Mema chez Moussa Tonka. Il revient en terre mandingue en 1232. De 1232 à 1235, Sundiata et Soumaoro Kanté s'affrontent lors de 5 batailles, dont Sundiata sortira vainqueur. En 1236, les 12 rois du Mandé réunis à Kourou-Kanfouga proclamèrent Sundiata Keïta empereur et votèrent la première constitution du Mandé qui comportait 44 articles, eux-mêmes source d'inspiration de la société moderne. Encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier. Forcés de se réfugier dans des villes, des pays.
tristesse, tant de désarroi, tant d'espoir, tant d'espoir.
étoiles en passant au bout du monde. Il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui se construit un avenir. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour Écoutez, fils du Mandé, écoutez, enfants du peuple noir, je viens vous parler de Sundiata Keita, le fils du Bif, le fils du Lion, Mandé Ndiata, Nari Makandiata, Sogo Sogo Simbo Salaba, héros aux noms multiples et restaurateur de l'autorité légale. L'empire mandingue s'étendait du Sénégal à l'ouest en passant par la Gambie.
la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Mali, la Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et jusqu'au Niger à l'est. Sundiata, né en 1200 à Niani, exilé en 1222 à Mema chez Moussa Tonka. Il revient en terre mandingue en 1232. De 1232 à 1235, Sundiata et Soumaoro Kanté s'affrontent lors de 5 batailles, dont Sundiata sortira vainqueur. En 1236, les 12 rois du Mandé réunis à Kourou Kanfouga proclamèrent Sundiata Keïta empereur et votèrent la première constitution du Mandé qui comportait 44 articles, eux-mêmes source d'inspiration de la société moderne. Écoutez, fils du Mandé, écoutez, enfants du peuple noir, je viens vous parler de Sundiata Keïta, le fils du bœuf, le fils du lion, Mandé Ndiata, Nare Makan Ndiata, Sogo Sogo Simbo Salaba, héros aux noms multiples et restaurateur de l'autorité légale. L'empire mandingue s'étendait du Sénégal à l'ouest en passant par la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Mali, la Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et jusqu'au Niger à l'est. Sundiata, né en 1200 à Niani, exilé en 1222 à Mema chez Moussa Tonka. Il revient en terre mandingue en 1232. De 1232 à 1235, Sundiata et Soumaoro Kanté s'affrontent lors de 5 batailles, dont Sundiata sortira vainqueur. En 1236, les 12 rois du Mandé réunis à Kourou Kanfouga proclamèrent Sundiata Keïta empereur et votèrent la première constitution du Mandé qui comportait 44 articles, eux-mêmes source d'inspiration de la société moderne. Kafara nyama jomana, kafara nyama jilemana, kafara funadu kumana,
dala sobade ke woro sobade nye ke woro sunjata ni kwa ni nye kelempe karana luka mama sa ule anuka mama sa jule mpo nare magamba ne dane ne zimbote suwa alumana ke masa denye ne yere masa jeli nare magamba ne ka lawali zimbo kanu zimbo kanu